Dominguez. Nous sommes ensemble pour la 14e étape du Tour de France. Et oui, bien sûr. Bienvenue sur Pro Cycling Manager 2013, tous. Bienvenue dans le mode carrière, comme mon équipe, la Team Arkham Pro. Et voici donc l'étape tant attendue depuis quelques temps, en tout cas. Entre les sprints et contre la montre, j'avoue qu'il n'y a pas eu trop d'occasion pour nous de s'exprimer. Mais là, voilà. 100% sur Sioule, Lyon, 187 km. Vallonné, comme vous le voyez, avec trois petits cols, le 4e, 3e, 4e, une arrivée quand même en côte. Donc voilà, j'aime les étapes vallonnées, tout le monde le sait, voilà, voilà, soit avec Rodriguez. Pourquoi pas avec Galopin, Galopin pourrait partir en échappée pour prendre des points au sprint et de la montagne. Bref, le classement le voici sinon, donc voilà, Wiggins, Contador, Rodriguez, Kreuziger, Quintana, Van den Broek, Martin, Majka, Sanchez et Marginski. Voici le top 10 de ce Tour de France pour le moment, au jour du 13e étape. Donc voici donc la 14e étape. Voilà, et bien écoutez, on va y aller tout de suite. Donc c'est parti pour la 14e étape. On va voir la forme du même coureur, voilà, les mêmes coups d'habitude. Hein. Kreuziger, Galopin qui vont très bien, Tchaneski qui va très bien, Rodriguez toujours à 4. C'est un peu fait, mais mon rythme et fraîcheur sont très très bon, donc voilà. Allez, let's go to the show. C'est parti. Nous voici donc au départ de cette 14e étape. Vous voyez, un beau profil, un vallonné. C'est pas du gros vallon, mais c'est quand même du vallon, donc voilà. Donc une galopin qui est bien passé pour une fois, c'est magnifique. Donc voilà, on va faire donc ça. Voilà. Ah, attention, Tony Gapman qui attaque. Allez hop, c'est parti avec Grifko sûrement. Voilà, Grifko. Voilà, Andrei Grifko, l'Ukrainien. Alors, lui comme professionnel, à part des contre-la-montre. Ejdal, oulala. Florence Pistoia. Ouais, chaud là, chaud, chaud, chaud. Si Ejdal en sort, c'est très très chaud. Ouais, mais non, hey, attendez, je vérifie. Avec Fletcher. Ah ouais, mais là, si Ejdal sort, 119, 15 de montagne, 117 de ballon. Ouais, ça va être très tendu, donc moi je vais pas rouler avec eux, désolé. Mais je ne roulerai pas, désolé. Non, mais sans déconner, c'est vrai que c'est un petit peu chaud quand même, là. Faut dire ce qui est, hein. Vient officiellement d'être dépassé. Alors, on va faire les protections habituelles, non, mais la protection comme d'habitude plutôt, voilà. Et Backlund s'attaque! Attaque de Yann Backlund! Maillard s'attaque encore! Petit, allez, mon petit! C'est un commentateur belge, il faut le savoir, hein, donc voilà, Backlund qui attaque, Winning et Izaguirre. Ouais, 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 mais là, c'est surtout Ejda qui me gêne, moi. Les autres, bon, Fletcher, bien sûr, c'est un excellent rouleur, voilà, puncher, mais c'est surtout, et puis là, même là, Peter Winning, waouh. Izaguirre, ouais, du beau monde, là, il y a du très, très, très beau monde, on s'est échappé. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer, là, pour le coup. Et la situation qui a un petit peu évolué. Parce que désormais le peloton accuse. Et le peloton ne roule toujours pas, donc c'est un échappé qui va sûrement jouer entre nous. Ah, j'avoue honnêtement que je sais pas trop comment réagir, parce que comme je vous l'ai dit, c'est vrai que avec Ejdal notamment là, bon, qui est combien au classement lui, mais 49e à 41 minutes, donc c'est vrai que il doit pas être en méga forme. Derrière ça ne revient toujours pas, mais ça va revenir très prochainement, donc on va avoir 4-5 minutes d'avance sur le peloton. Voilà, donc là, bah écoutez, on va se retrouver pour le sprint intermédiaire, et puis on enchaînera les 3 côtes, et on se retrouvera après pour les 20 derniers kilomètres. Voilà, donc là, l'échappée, là, donc Winning, Backelands, Izaguirre, Ejdal, Grifko et Fletcher, avec Tony Galopin, bien entendu. Voilà, bah écoutez, à tout de suite. On se retrouve à 94 km de l'arrivée, donc j'ai raté le sprint qui vient d'avoir lieu. C'est Tony Galopin qui l'a pris sans problème, hein, au curseur rapide. Personne ne m'a discuté ce point. Voilà, je reviens à... Oh, je suis encore quand même à... Ouais, 50 points, ouais. 50 points quand même, c'est très 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 loin. Faut qu'espérer maintenant que Mark Cavendish soit hors délai sur une étape de montagne.
Pardon. Voilà donc 7 minutes 40 d'avance pour le peloton qui commence à accélérer comme vous le voyez derrière, on voit les pulsations. Ça commence à monter légèrement. Nous dans le groupe ça roule bien, tout le monde prend ses relais. Donc, si là j'ai l'impression que Tony Galopin va faire le gros du boulot. Voilà jusqu'à 60 pourtant, je passe 70, 75. Hein. Prend vraiment l'initiative par rapport à cette mais bon. Tony Galopin donc 6ème au classement de la montagne, donc pourquoi pas aller chercher quelques petits points. Alors, est-ce que ça va attaquer ou pas? Je pense que ça va attaquer, enfin, à moins que ça roule trop fort pour eux, mais voilà, déjà la veille là. Heyerdahl, avec son maillot de champion du Canada, qui remonte, et qui, je pense, lui, va attaquer. Ouais, voilà, c'était évident, hein, ça se voyait. Heyerdahl qui s'en va. Heyerdahl, si tu veux, vas-y. Ah, ouais. Fais des efforts, mon gars, y'a pas de problème. Il s'en va, Heyerdahl, il s'en va. Oui, vous allez me dire, oh, mais t'as pas pris les points, quoi, là. Oui, je sais, mais c'est pas non plus. C'est pas le but, hein. Je veux dire que toutes ces étapes de montagne qu'il y aura encore après, ça ne sert à rien de prendre. Enfin, de faire des efforts pour ça, quoi. Ça ne sert à rien. Donc voilà, je préfère rouler tranquillement, voilà. Sinon, derrière, ça donne quoi les notes? Plus 1, plus 2, moins 4 pour Hakim, waouh. Plus 4, plus 5 pour Vinitz, ouais. Super. Oh, oui, et la poursuite est lancée, maintenant j'en ai bien peur pour l'échapper. Donc là, je vais arrêter de rouler un petit peu, parce que voilà, dans le sens, enfin. Je saute des relais, là quand plus personne prend de relais, ok bah. 8 minutes 20 d'avance hein, tout de même. Pff, bah les gars. Par hasard les gars ils prennent tous leur bidon en même temps quoi. Ah je suis bloqué. Et voilà comment perdre du temps. Allez on va attaquer avec Galopin. Moi je sais, c'est pas forcément utile, mais voilà, je veux que tout le monde réagisse, là. Je veux que tout le monde se mette à rouler avec moi maintenant, quoi. Je veux que les mecs voilà, se mettent un peu au taquet, et fassent un gros effort pour revenir sur moi, pour continuer de rouler, pourquoi pas. Enfin, je l'espère en tout cas. Allez les gars, on roule, on a 8 minutes 30 d'avance, c'est encore jouable, hein. Vous prenez les points si vous voulez de la montagne, c'est pas moi qui vais vous discuter. Ok, alors c'est quand qui prend des relais, c'est super. Et là qui va encore attaquer, c'est super aussi. Voilà, il est un petit peu enfermé donc il pourra pas attaquer, mais bon, je vais bientôt me décaler donc je pense qu'il va. Il va pouvoir. Voilà, regardez là, par exemple, là voilà, là il va attaquer maintenant, voilà. Super, Raider, c'est bien, Raider, c'est bien. T'es un peu con, tu fais des efforts pour rien. Vas-y au curseur. Ouais, par contre, faudrait peut-être pas non plus qu'on me pique tous les points à chaque fois. Ouais, faudrait pas non plus abuser. Hein. Oh là là, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je me suis trompé de touche? Hop, ok. 8 minutes d'avance. Mais ça roule pas ce groupe de merde là. Putain. Personne ne roule. Putain, on est à 69 km de l'arrivée et personne ne roule quoi. Allez, on rentre dans une belle ville. Une grande ville, jolie, il fait beau, il fait du soleil, c'est magnifique. Ah, 70, ça fait un peu trop quand même, parce que là on a encore 70 km d'arrivée, enfin 69 km d'arrivée. 66 même. Ouais, mais j'en ai marre, moi, les mecs, c'est bon. On roule un peu, quoi, 9 minutes d'avance toujours, hein, donc. On ne sait pas qui roule d'ailleurs, on va aller voir quand même qui roule. Ah, bah c'est la Sky qui roule. Pas les gars, mais rouler un peu quoi, c'est pas comme si. Ouais, enfin, ça me saoule là. Je vous le dis honnêtement, ça me saoule. Voilà. Attaque de galopin. Y'a pas photo, ça me saoule quand les gens ne veulent pas rouler comme ça. Attaque d'un galopin, mesdames et messieurs. Hein. Non, non, non. C'est son nom de famille, c'est Tony Galopin. On attaque le dernier tiers de la course. Voilà les gars, si vous voulez pas rouler, bah écoutez, faites des efforts maintenant pour revenir sur moi. À cette allure, on peut quasiment plus remonter. Hein. Quand ça roule à 50 km/h, c'est vraiment difficile de remonter. Voilà, les gars là au moins ils vont faire un effort pour revenir parce que non, mais il faut arrêter quoi. Le mec, j'ai mon plus 5, j'ai le bonus natio, j'ai plein de trucs qui font que, mais quand même. Non, non, il y a aucune raison qu'il n'y ait que moi qui roule tout le temps quoi. Faut arrêter les conneries, moi je vous le dis. Donc là, bon, bien sûr, ils vont revenir, hein, bien sûr, il n'y a pas de problème dans la descente et tout. Là, moi je vais me reposer un peu. Allez-y, reprenez-moi, les gars.
Voilà. Derrière, que se passe-t-il alors, Joachim est là. L'écart est on est à 2 km du sommet. Les Sky qui roulent tranquillement, qui gèrent. Donc nous, on gère tranquillement aussi, pas de problème. 9 minutes 40 d'avance, hein, donc là, l'échappée est bien partie pour aller au bout. Hein. Je pense que là, l'échappée, enfin, que le peloton va nous laisser partir. Alors, comme pas me faire chier, je dirais, mais tu roules pas, alors nous, on roule pas. Et des fois, vous savez que l'IA vous dit ça. Il dit, ouais, non, non, nous, on roule pas, mon petit gars, tu roules pas. Alors qu'on roule tout le temps, mais bon, c'est pas grave. Starting block pour meubler nous ici, donc y'a pas de problème. Ouais, bon, les commentaires c'est un peu chiant des fois, excusez-moi, je les baisse un peu. Car des fois c'est un peu chiant quand t'es en train de parler. Bref, voilà, il reste donc 50 km. Bah écoute, on se retrouve pour les 20 ou 30 derniers kilomètres. A tout de suite avec donc l'échappée qui va se jouer la victoire. A tout de suite. On se retrouve à 22 km de l'arrivée. Alors attention, là je ne sais pas trop qui je vais devoir suivre, car là, il y a qui au sprint. Ouais, il y a Fletcher quand même. C'est peut-être Fletcher que je pourrais suivre. Ça me paraît le plus rapide, en tout cas celui qui va le plus de punch. Là, ça roule plus, ça y est, ça roule plus, ça y est. Grifko aussi, attention à lui, attention à Grifko. Alors c'est vrai que c'est une étape vallonnée, donc je ne peux pas suivre comme ça les coureurs, malheureusement. Bah c'est vraiment Fletcher que j'ai envie de suivre quand même. Voilà, 8 minutes 50 derrière, il ne se passe rien de spécial, le peloton qui reste calme, il reste chaud. Oui, les pulsations, ça ne roule pas spécialement. Donc là je sais pas trop ce que je vais faire là, vous voyez comme ça monte bien et tout, donc on va monter quand même. Wenning qui attaque Peter Wenning. Certains voulaient tellement voir en lui un successeur à Joop Zoetemelk. Là, ils ont parlé un peu vite. Ah, ça roule fort. Ça roule même très très fort. Il reste plus que 10 km. 10 km d'effort. Et ce sera fini pour aujourd'hui. Allez, galopin. Allez, Tony. 1,88 m. C'est bien, on est content. J'ai 1,88 m, c'est génial. Ça fait gros. Allez, Tony. Sur un vélo, ça. On revient, ils se sont arrêtés. Et c'est peut-être le moment de contrer. Voilà. Contre de Tony Galopin. Tony Galopin. Tony Galopin qui démarre maintenant. Et derrière, est-ce que ça va se regarder ou pas? Je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, j'ai tenté. 5 km derrière, ça roule très très fort avec Fletcher notamment. Déjà 5 km d'arrivée. Ouais, Fletcher qui va revenir tranquillement sur Tony Galopin. Et là, la montée. Grifko. Allez, Tony, plus que 3 km à parcourir, allez. Allez, Tony. Ah, ils sont juste derrière, mais ça peut être jouable, c'est jouable encore. C'est jouable. Alors derrière, je ne sais pas trop ce qui se passe dans le peloton, mais je m'en fiche, là, je veux voir la victoire de Tony Galopin. Ah, honnêtement, là, je pense que c'est bon, là, la victoire de Tony Galopin est assurée. Le sprint est lancé, le sprint est lancé. À ceux qui sont en retard maintenant, c'est fini. Allez, et victoire de Tony Galopin. Bien joué, Tony. Donc, qui va venir chercher la victoire maintenant. Maintenant, on va aller voir si Joaquim Rodriguez peut prendre quelques secondes d'avance. Ça pourrait être sympa aussi, pourquoi pas. On ne reviendra plus sur lui, Tony Galopin, mesdames et messieurs, et bien voilà. Ouais, non, on va pas se fatiguer pour rien, honnêtement, enfin, je sais pas. Parce qu'une petite côte comme ça, non, 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 ça sert à rien. Enfin, on va quand même voir, on va quand même essayer, on va faire le sprint en tout cas, mais... Allez, on va attaquer juste pour voir ce qui se passe avec Rodriguez, voir si quelqu'un peut prendre la roue. Et pour Rito qui attaque maintenant, oui. Joachim Rodriguez, Oliver. Allez, on va voir si quelqu'un va pouvoir le suivre. À Parets del Valles, dans la province de Barcelona. Et ne venez pas me dire qu'il est espagnol, s'il vous plaît, il est catalan, hein. Attention. Ouais, bah, il y aura peut-être quelques petites secondes de grappiller pour Joaquin Rodriguez qui va faire 8ème. Ouais, je sais pas. Ouais, peut-être. Ouais, non. Pff, ouais, ok. Bah, c'est un gang qui fait le sprint.
Mais c'est pas grave, hein, voilà, j'ai pas usé trop d'énergie. Hein. Voici maintenant les... Ah voilà, mais écoutez, belle victoire de Tony Galopin, sa troisième sur ce Tour de France. Très très belle victoire, sur une belle étape. C'était un petit peu annoncé dans le sens où c'est vrai que c'était une étape bien faite pour lui, que l'échappée pourrait sûrement aller au bout. On va vérifier ça, je crois que c'est sa troisième victoire d'étape. Hein. Voilà, troisième victoire, 3-7-14, c'est parfait. Il revient à la 14e place, hein, donc voilà. Est-ce que Joaquim m'a repris du temps? 9-13, ouais, bon, j'ai pris 13 secondes. Mais écoutez, c'est toujours ça. 13 secondes pour un effort de 1 km, c'est pas mal, c'est bien. C'est toujours ça de grappiller. Même au niveau des points, là, je sais pas, voilà, Galopin qui revient maintenant plus qu'à 18 points de Cavendish, en sachant très bien que les apps qui viennent, là... seront très très bonnes pour lui, quoi. Voilà, il y aura plus d'étapes pour Cavendish, il marquera plus de points. À part bien sûr là les Champs-Élysées, mais sinon lui marquera plus aucun point, hein, Cavendish. Donc le maillot vert est en bonne voie. Car après Greipel, on s'en fout. Sagan, Kittel, Boonen, Rodriguez, il n'y a que lui. Il n'y a que Joaquin qui pourrait inquiéter Galopin. Donc je peux l'annoncer déjà maintenant, Galopin sera maillot vert de ce Tour de France. C'est une certitude. À moins bien sûr d'un gros pépin, on ne sait jamais hein, ce qui peut se passer. La montagne par contre c'est un peu plus tendu, voilà, ça va jouer entre les leaders comme sur le Tour de France normal, hein, ça va jouer entre nous qu'entre les gros grimpeurs. Car comme prévu dès demain, c'est le Mont Ventoux, donc c'est la première grosse étape vraiment où il va falloir encore gérer. Il y a eu les Pyrénées avant bien sûr, mais là il va falloir gérer vraiment cette grosse montée de l'Alpe d'Huez. Du Mont Ventoux, le PDS c'est après, donc voilà. Voilà, bah écoutez, belle victoire donc, de Tony Galopin. Ça fait toujours plaisir, une victoire comme ça, dernière étape. Je vous dis donc à la prochaine, hein, prenez bien soin de vous, toujours. Faites attention. Et donc voilà, bon, on se laisse, donc je crois qu'il y a un abandon. Ah non, il n'y a pas d'abandon, il me semblait qu'on aurait vu un, mais non, il n'y en a pas. Bref, c'est pas, allez. À demain tout le monde, ciao, 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 et... Et puis, bah écoutez, quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À chaque fois, je finis, parce que je sais pas, j'ai pas envie de dire ciao pour finir, mais bon, je le dis quand même. Mais bon, allez, ciao tout le monde, et à demain pour l'étape Givors. Mon Ventoux, ciao tout le monde.